C'est pas possible ça, c'est pas pousse. Salut les pépitos. Aujourd'hui, je vais répondre à un petit commentaire. Ludovic, tu es un génie. Les années collège ont dû être de la tarte aux pommes pour toi. Tu nous racontes? C'est vrai que j'étais pas le dernier pour faire le foufou à l'époque. Moi, j'ai trop envie de l'inviter à ma boum. Comment il va être sexy à 30 ans. Non mais moi, internet, j'y crois pas du tout. Bah ouais, c'est clair. Hop, vous avez votre carnet de correspondance? Vous avez mon café? Bien sûr, Ludovic. Allongé, sans sucre, avec votre petit nom écrit dans la mousse. Oui. Tenez. Merci. Voilà pourquoi personne n'ira jamais sur la Lune. N'importe Novak, tu l'as dit, Bouffi. Salut la compagnie. Bonjour Ludovic. Ludovic, encore en retard. Non, Noémie, c'est vous qui êtes en avance. C'est vrai. Ouh, c'est amoureux. Silence. On a encore deux français, on est là pour apprendre. Bon, vous voulez réciter la poésie, Ludovic? J'ai plutôt improvisé quelque chose. Excellent! Allez-y! Bah, ça m'embête un peu parce que j'ai de nouvelles choses. Je les ai payées 200 francs, donc j'aimerais pas les abîmer. Une fleur qui pleure, un pays qui meurt. Voilà. Wow. Bravo, Ludovic! Ludovic, dans mon bureau immédiatement. Maintenant! Ludovic! C'est plus possible! J'ai l'impression d'être un mauvais CPE! Chut. Ne dites pas ça, vraiment. Si on vous y respecte, mettez des heures de colle et ça dégage. Hey. Merci, Ludovic. De rien. Au boulot. Oui, c'est ça qu'on veut voir, mon petit cul, là. Le bon petit cul de Jonathan. C'est moi le petit cul. Oh, putain, Jonathan, là. Hey, on marche pas dans les couloirs. Ce métal indestructible a servi à construire le World Trade Center. Dans 300 ans, il sera encore debout. Fascinant. Bon, Ludovic, vous avez 45 minutes de retard. Ouais. Ouais, bah allez vous installer à côté de votre camarade Noémie. Tu viens t'asseoir à côté de moi, Ludo? Non, je vais plutôt m'asseoir à côté de Timio avec ce qu'il traverse en ce moment. Il a besoin d'un binôme efficace. Saloperie de leucémie, ouais. Ouais. Qu'obtient-on en mélangeant de l'azote et... Non, Ludovic, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de mélanger des produits extrêmement dangereux. Laisse-moi faire, Alain, je tente quelque chose. Non, Ludovic, non! Incroyable. Ah, la protéine vegan. Un tel pour garder la forme, hein. Wow. Il est plus malade. Ludovic, vous avez soigné Timéo? Je vous mets un 17. Alain. Mais un 20. Merci. Santé. 58, 59, 60. Le prof est officiellement en retard, le cours est annulé. On peut rentrer chez nous, jouer à la play. Yes, yes. Oh. Oh non. Oh. Excusez-moi les enfants, pardon, laissez-moi passer. Désolé pour le retard, j'ai eu un petit problème de passe Navigo sur le RER. Votre carrière, Monsieur Plantier. Ludovic, calmez-vous, je suis... Juste prof, Monsieur Plantier. Ludovic, vous êtes bien gentil, mais je pense que dans ce couloir, je suis la personne qui gagne le mieux sa vie. Ah non. Ah si. Ah non. Dans ce couloir, la personne qui gagne le mieux sa vie, c'est Monsieur Plombier. Rampignanze. Ludovic, sur un autre ton, moi j'ai une carrière. Prof de techno, Monsieur Plantier. Grâce à mes cours, vous repartirez avec un bagage rempli de savoir. Faire à sauter, Monsieur Plantier. Tu rêvais d'être Indiana Jones, prof d'archéologie. Mais tu es juste Monsieur Plantier, prof de technologie. Même debout sur ton estrade, t'es plus petit que nous assis. Oh, ton rêve aventurier, ta réalité. Merde! Vous êtes une merde, Monsieur Plantier. Et voilà les pépitos, ça s'est passé à peu près comme ça. Si vous avez des questions, bah posez-les en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Allez hop, c'est parti! Qui veut un t-shirt? Bonjour. Les t-shirts sont géniaux. Ah. Regardez ça, regardez. Oh c'est là. C'est pas mal. Alors c'est 10 € le t-shirt, 20 € les deux. Ben, je vais en prendre deux. Et bien parfait. Je voudrais un mug s'il vous plaît. Oui, pas de soucis, tenez. Merci. Ciao. 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 Ludo. Ludo.